Bienvenue sur Grammarnati. Ici, nous allons nous amuser à comparer le français et l'anglais pour mieux comprendre les différences entre les deux. Et aujourd'hui, pour ce premier épisode, je remarque qu'on a eu un problème récemment pour traduire Doctor Who en VF. On dira le docteur ou la docteur. It might be true that there are 6 billion people in the world and counting. In a sense, it's like nevertheless, music. What you do makes a difference. Alors voilà, si vous suivez la série, vous n'êtes pas sans savoir que le docteur s'est récemment régénéré en femme. Ça a eu son lot de haters, mais c'est vraiment pas là le sujet. Pour les Anglais, ça n'a pas posé tant de problèmes que ça, puisque on parle toujours de The Doctor. I'm the Doctor. I'm a Time Lord. I'm from the planet Gallifrey, the constellation of Casterbarus. I'm glad you asked that again. I know exactly who I am. I'm the Doctor. Mais je reste quand même curieux de savoir comment la VF va traduire ce changement de genre. Je suis le Docteur. Je suis un seigneur du temps. Je viens de la planète Gallifrey, de la constellation de Casterbarus. Je suis contente que vous me posiez à nouveau la question. Je sais exactement qui je suis. Je suis le Docteur. Je suis la Docteur. Je suis la Doctoresse. Je suis médecin. Car en français, on a pris l'habitude de tout genrer. Un docteur, une docteure. Oui, je sais que l'Académie française n'aime pas trop ça, mais en même temps, peu importe de ce qu'ils ont à dire, puisque de toute façon, ça fait quand même un moment que ça se pratique dans l'usage du français. Mais alors, pourquoi le français genre-t-il tout ce qui bouge et pas l'anglais? Les mots servent à catégoriser le monde qui nous entoure. Par exemple, une chaise fera partie de la catégorie des meubles. Ainsi, en fonction du point de vue d'une langue sur le monde, on ne va pas catégoriser de la même manière. Dans les langues indo-européennes, on observe à la base une distinction entre animé et inanimé. Si ça bouge pas, c'est forcément neutre. Et si ça bouge, ce sera forcément soit masculin, soit féminin. Mais de nos jours, cette distinction entre animé et inanimé tend à disparaître pour laisser place à une distinction entre masculin et féminin. Les langues romanes, comme le français, font partie des langues à deux genres, masculin ou féminin. Et tous les mots lexicaux vont forcément se ranger soit chez le masculin, soit chez le féminin. Il n'y a pas vraiment de règle pour savoir dans quel genre un mot va tomber. C'est totalement arbitraire et ça dépend totalement de l'usage qui en est fait. On aura donc beaucoup d'étrangers qui vont se planter sur ces questions de genre. Et ce, même si leur propre langue est une langue à deux genres. Car deux langues à deux genres ne genre pas forcément les mots de la même façon. Par exemple, coche en espagnol est un nom masculin, tandis que sa traduction française, voiture, est un nom féminin. Les langues germaniques, comme l'allemand, font partie des langues à trois genres. Le masculin, le féminin et le neutre. Et en anglais, on peut constater que le genrage disparaît de plus en plus, même s'il n'est pas déjà très présent à la base. Mais en anglais, on ne retrouvera pas de genre non plus pour parler d'un professeur. On utilisera « the teacher », que ce soit un homme ou une femme, comme par exemple dans « the teacher didn't believe me ». Seuls les pronoms, au final, vont pouvoir différencier le genre. Quand on se retrouvera face à « he »,« she »,« it » ou encore « him »,« her »,« it » ou encore « his »,« hers » ou « its ». Ou avec les pronoms réfléchis comme « himself »,« herself » ou encore « itself ». En français, les pronoms assurent un peu moins ce rôle, puisque si on retrouve bien il, elle, son, ça, lui-même et elle-même, on retrouvera lui pour parler d'une femme ou d'un homme indifféremment. Quand je vous dis le professeur lui a parlé, on ne sait pas si la personne à qui il a parlé est un homme ou une femme, tandis que l'anglais fera la différence en disant soit the teacher told him, soit the teacher told her. En français, l'article va plus facilement jouer ce rôle, en plus des pronoms personnels, puisqu'on sera obligé de recourir soit à un ou le, soit à une ou la. On dira ainsi, pourtant j'ai fait le devoir demander. Mais l'anglais, lui, ne fera pas la distinction au niveau de l'article, puisqu'on retrouvera forcément the, a, an ou rien du tout. Et que l'emploi de ces déterminants ne dépend absolument pas du genre. Lorsqu'on dira « but I still did my homework », on ne genre pas les devoirs, tout comme on ne genre pas le professeur dans « The teacher told him ».
L'anglais ne possède pas non plus d'accord sur les adjectifs, c'est-à-dire qu'il dira « the cow is purple », alors que le français, lui, fera un accord sur l'adjectif en disant « la vache est violette ». Et au masculin, cela fonctionne aussi, puisque en français, on dira « le taureau est violet », tandis qu'en anglais, on dira « the boar is purple ». Et pourtant, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont attachés à ces accords et qui disent qu'on ne pourrait pas s'en passer et que ça causerait des gros soucis de compréhension. Mais l'anglais prouve que l'on peut bel et bien se passer de ces accords. Donc du coup, l'argument de « s'il n'y a plus d'accord, on va plus comprendre », il tient pas vraiment la route. Pour en revenir à notre docteur, l'anglais ne posera aucun souci à son changement de genre, puisqu'on pourra continuer à l'appeler « the doctor ». Mais en français, le changement de genre du docteur risque de poser problème. Ou plutôt, le français risque de poser problème au changement de genre du docteur, puisqu'il reste difficile de savoir s'il faut traduire en « la docteur » ou en « le docteur ». Je demande à voir comment les traducteurs vont se débrouiller avec tout ça. Une autre réflexion qu'on peut aussi se faire à partir de cela, c'est que bien souvent, pour éviter d'invisibiliser une partie de la population, le plus souvent celle qui n'est pas cis mâle, on va proposer l'ajout de plus de genres pour rendre ces personnes aussi plus visibles dans la langue. Quand je dis ça, je pense notamment à ajouter un E à professeur par exemple, ou encore à ajouter toutes les terminaisons à la fin d'un nom ou d'un adjectif pour inclure tous les genres. Ou encore, pour faire des alternatives à il et elle, de créer de nouveaux pronoms comme par exemple iel, ul, ol, al, i ou encore elle. Je sais que les pronoms de la langue inclusive sont loin d'être gravés dans le marbre et qu'on est très loin d'avoir un consensus sur l'utilisation de ces pronoms. Cependant, j'ai l'impression qu'on leur ajoute à chaque fois de nouveaux pronoms pour inclure chaque genre existant qui n'est pas encore actuellement inclus dans la langue. Je vois que par exemple, IL sera plus utilisé par des personnes non-binaires et UL et OL par des personnes extérieures aux notions de féminin et masculin. Au fond, seuls AL et I semblent être reconnus comme des pronoms neutres par à peu près tout le monde, pouvant être utilisés par n'importe qui, quel que soit son genre. Et bien sûr, l'anglais aussi a recours à de nouveaux pronoms neutres, car même si on a vu que le genre est très peu présent dans la langue anglaise, il est quand même présent dans les pronoms. Et l'anglais, lui, va plutôt avoir recours au pronom they, mais cette fois-ci pour parler que d'une seule personne au lieu de plusieurs, comme il est censé faire à l'origine. Et pourtant, l'anglais a déjà un pronom neutre, it, mais vu que ce pronom est censé être utilisé sur des objets inanimés, on évitera de l'utiliser sur des personnes, puisque ça pourrait être un petit peu insultant quand même. Mais en anglais, il existe aussi d'autres pronoms neutres, comme par exemple a, am, a, as, ne, nem, ne, nos, zi, xam, xe, xeus, zi, here, here, his, ou encore zi, ze, ze, zeus. Et cette solution, qui est tout à fait valable, montre à quel point elle est influencée par une mentalité où la langue doit être genrée. Ça montre à quel point la langue a un impact tel sur notre façon de penser que même lorsqu'il s'agit de la changer, eh bien on en garde le fonctionnement d'origine. Car en effet, la solution qui nous a paru la plus sensée au premier abord a été de rajouter de nouveaux articles et de nouveaux accords genrés. Et ce, même s'il existe aussi des pronoms et des accords totalement neutres. Mais retirer les pronoms genrés et les accords de notre langue nous a paru complètement plus difficile. Oui, j'avoue, j'ai un truc contre les accords. J'aime pas les accords, va falloir s'y faire. Bref, cette vidéo n'est pas là pour dire que retirer des accords est mieux que d'en rajouter. Mais elle constate que rajouter des accords et des pronoms a été une solution qui a été préférée. Forcément, puisque notre langue nous sert à décrire le monde et qu'elle influence donc notre propre perception du monde. Et elle influence notre façon de penser à tel point que se passer totalement de genre nous paraît beaucoup plus difficile que de rajouter de nouveaux genres. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez mettre un pouce vers le haut, la partager ou encore vous abonner. Mais surtout, ne soyez pas un grammar native.